Voilà, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonjour et joyeuse et victorieuse journée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous bénissons son nom. Nous sommes reconnaissants pour la vie, le mouvement et l'être, le grand notre Dieu. Père, merci pour ta grâce, merci pour cette journée. Que ton nom soit béni, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. T'aimons Jésus. T'aimons tellement. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, personne n'est comme toi. Baraki wa ina doloza. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Bien-aimé, comme vous le savez déjà, nous sommes en train de préparer une grande rencontre dans 6 jours, ici à Paris. Dans 6 jours, la chose va arriver. Vendredi 13 septembre, à partir de 21h à l'aube, nous serons dans la salle de conférence La Lune d'Or. La gloire de Dieu sera puissante. Partageons la vidéo de ce matin. Partageons-la. Donc, quelque chose d'extraordinaire se passera cette nuit-là. C'est la nuit où le Seigneur interviendra pour son peuple, pour venger son peuple de ses ennemis. Seigneur, merci pour ta grâce, que ton nom soit glorifié. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, que ton nom soit élevé. Donc, vendredi 13 septembre de 21 à l'aube, à Paris ici, à Villabé, 20 avenue de Courtes-Épluches, 9100, Villabé, la salle de conférence, la Lune d'Or. Nous avons la grande nuit de la vengeance de l'Éternel. Vous vous souvenez, lorsque Moïse est allé sur le mont Sinaï et que le Seigneur lui est apparu, il lui a dit: j'ai vu les souffrances de mon peuple. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu ces cris. L'oppression que lui fait vivre les Égyptiens, que lui font vivre les Égyptiens. Et je suis descendu pour le délivrer. Et voilà pourquoi toi, Moïse, je t'envoie. Va et délivre mon peuple. Et c'est ça la réalité, mes amis. Dieu a vu l'oppression que te font vivre tes ennemis. Il a vu ta souffrance. Il a entendu les cris que tu as lancés vers lui depuis des années. Et il m'a dit: lève-toi et va en Europe pour mon peuple d'Europe. Va là-bas et bénis mon peuple. Va et délivre mon peuple. Et je suis venu en France pour cela, pour apporter la délivrance dans ta vie, dans ta famille, pour déclarer des paroles prophétiques puissantes qui vont déchaîner ta famille de toutes ces choses-là. Mes amis, le Seigneur est bon, il est vivant, il est au-dessus de toutes choses. Et au-dessus de toutes choses. Donc, bien-aimés, dimanche le 15 septembre, la main de Dieu sera puissante. Dimanche le 15 septembre, Dieu se glorifiera de façon redoutable, je vous assure. C'est le dimanche de la fête à l'Éternel, de consécration des familles à notre Dieu. Vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes n'importe où, en Asie, au Canada, en Angleterre. Dieu veut vous faire du bien. Dimanche, mettez-le dans votre agenda
dimanche 15 septembre à partir de 11h dans la salle de conférence La Lune d'Or. L'adresse 20 avenue de Côte-Épluche 91 100 Villabé. Dieu se glorifiera. Tous ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, quel que soit ton problème, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, bien-aimé, je t'encourage à être présent, à ne point manquer à ce grand programme, ce grand rendez-vous. C'est pour toi que le Seigneur donne cette sainte convocation. C'est pour ta délivrance, c'est pour ton salut, c'est pour ta bénédiction. Le matin, j'étais en train de méditer un peu sur les injustifiables, l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph, sortant de la chambre de la femme de Potiphar, nu. Et la femme de Potiphar, tenant dans sa main ses vêtements, l'accusant de tentative de viol, et Joseph, lui, se justifiant. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, mes amis. Et puis j'imagine le mari de. Je m'imagine Potiphar, pendant que sa femme accuse Joseph, et que Joseph, au milieu des deux, tout nu, et Joseph, en train de dire, c'est pas moi, et lui, ses yeux sont sur le zizi de Joseph, comme pour dire, Joseph, 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 mais tu es nu comment? Comment une femme t'avoir déshabillé, un homme baraqué comme toi, un sportif comme toi. Comment? Comment tu justifies ça? Comment tu expliques cela? Donc, mes amis, c'est quelque chose que c'est compliqué d'expliquer. Vous le savez, comme moi. Parfois, nous nous sommes retrouvés dans une situation très complexe, compliquée, et puis voilà, où on ne comprenait plus rien. Donc, bien-aimé, ce dimanche, tous mes enfants sont invités dans le monde entier. Tous ceux qui sont de ce côté de l'Europe, le Seigneur m'a amené, j'ai traversé l'océan Atlantique, je suis ici. Et donc, rassure-toi d'être présent. Paris sera arrosé par les flots d'un prophète, par l'alliance des prophètes. La gloire de Dieu se manifestera avec redoutabilité. Quel que soit ton problème, quel que soit ton ennui, quel que soit tes défis, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta malédiction, même si tu souffres de quoi, bien-aimé, le Seigneur est le Dieu des armées. Garonné, wa irazia, wa inotrof, lo krezo. Venez avec les problèmes les plus compliqués. C'est que Dieu seul peut faire. Et Dieu manifestera sa gloire dans nos vies, mes amis. Il accomplira dans nos vies ce que lui seul peut faire. Même nos ennemis témoigneront que ça, il n'y a que Dieu pour le faire dans la vie de cet homme ou bien dans la vie de cette femme. Baradina rodeli inora iflomora bano kino sora imina iloidei. Wa inna odello soro mi garafla odei. Wa idias mansha odela ina er bara unura ina omir. Banaro munra ibla zora filie mau. Warabino delia nora ina olihina Mali dalasra wa inna lokina elfuri wa idana omina iliama ina kelo femeli inu umur bino gel saro enna ali mumunali enna udei anna umun rai blazaro furai wa inna ugumitali malaseri wa inna umuna minu malin wa inumura ibanali galim wa inna umuna ilim wa inula idal ilim wa inna uma udeini in ma om oh Seigneur merci pour ta grâce maredias porque ta udolas madao
Bien-aimé, le Seigneur manifestera une grande faveur dans nos vies. Pendant cette nuit du 13 septembre, Dieu arrosera nos vies de bénédictions. Et dimanche, le 15 septembre, à partir de 11h, dans la salle lune, la lune d'or, viens avec des vêtements de fête. C'est un symbole prophétique fort. L'Esprit de Dieu l'a dit expressement. Revêt des vêtements de fête. Parce que le Seigneur nous introduira dans la saison de la royauté. Il nous bénira. Il nous aimera. Il nous sauvera. Le Seigneur nous radia wa in iradias manro idaoki répondra à nos prières. Il nettoiera les larmes de tes yeux. Celui qui t'a oppressé, opprimé pendant tout ce temps sera aussi opprimé par ton Dieu. Le Seigneur te vengera. Le Seigneur te défendra. Le Seigneur te sauvera. Le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur t'aimera. Le Seigneur témoignera devant tous ceux qui nous ont demandé le but de notre espérance. Il leur répondra par l'Éternel. Le Seigneur est vivant, mes amis. C'est une nuit à ne manquer sous aucun prétexte. Il y a des rencontres qu'il ne faut pas jouer avec. Donc tu mets ça dans ton agenda tout simplement. L'Esprit du Seigneur te parle. Vendredi 13 septembre, prends l'engagement, dis je serai présent. À Villabé, à Paris, la salle de la lune d'or. Salle conférence de la lune d'or. Et puis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche, le 15 septembre, à partir de 11h, je vais consacrer toutes les familles à Dieu. Et chaque famille vient avec un objet de sa maison, de son lieu d'habitation. Et je veux prier et le Seigneur vengera ta vie de toute action de sorcellerie, toute œuvre ténébreuse venant de la maison de ton père ou de ta mère, venant de ton lieu de travail, de ton entourage proche ou lointain. Le Seigneur manifestera une grande délivrance dans la vie de son peuple. Voilà pourquoi il faut venir avec un objet de ta maison. Pas des objets qui peuvent blesser les autres, mais quelque chose de raisonnable. Voilà. Quelque chose de raisonnable. Pas aussi quelque chose de gargantuesque ou de mastodonte, sinon quelque chose de raisonnable, voilà, qui ne mette pas mal à l'aise les autres. Tu viens avec tout simplement. Quand je vais te demander à l'heure de la prière de lever les objets et je vais commencer à déclarer des paroles sur cet objet qui représentera ta maison qui représente ta vie et ta destinée, vous verrez la grande délivrance que l'Éternel accordera à son peuple. Donc, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, partageons cette vidéo. Si tu es en Europe, invite quelqu'un, parle à quelqu'un de ce grand programme. Appelle quelqu'un par téléphone et parle-lui. Dis-lui que le prophète Kané Ferdinand est déjà en France. Il est en Europe. Il est là et le Seigneur l'a envoyé pour notre délivrance. Invite quelqu'un, dis-lui, ne manquons pas ce programme. Convergeons à la nuit, la vengeance de l'Éternel, vendredi 13 septembre, à partir de 21h à Villabé, 20 avenue de Cause et Pluche, 1100 Villabé. La salle, c'est la salle de conférence, la lune d'or. N'importe qui peut taper ça sur Internet. Et puis, dimanche, le 15 septembre, c'est le service, le culte de consécration des familles à notre Dieu. Et la conférence des partenaires, c'est juste après le culte des familles. Et lundi et mardi, c'est-à-dire le 16 et le 17, non le 15, oui le 16 et le 17, je veux recevoir 100 partenaires. Donc si vous voulez devenir partenaire, bienfaiteur dans cette œuvre extraordinaire, vendredi vous prendrez, vous souscrivrez juste votre vœu devant le Seigneur, votre engagement. Et dimanche, nous apporterons ces engagements dans la présence du Seigneur. Dieu nous bénira et nous fera grâce. Donc bien aimé, que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, que la grâce de Jésus soit sur toi. Et n'oublie pas, le Seigneur a de grandes choses pour toi la nuit du 13 septembre, à partir de 21h, à la lune d'or, la salle de conférence, la lune d'or. Et la journée du dimanche, 15 septembre, à partir de 11h, dans la même salle. Sois là avec tes enfants, viens prouver mon Jésus, tu ne seras point dans la confusion. Que Dieu te bénisse, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Shalom, bye.